Bienvenue à tous sur ce tutoriel pour présenter les paramètres globaux que vous pouvez retrouver sur 95% des sections du Phantom Theme. Dans un premier temps, vous retrouverez pratiquement partout la largeur maximum de la section. Cela permet, lorsque vous avez des grands écrans, de garder une consistance au niveau de l'affichage. À disposition, vous avez petite, 960 pixels, moyenne ou large. Je préconise de garder une certaine consistance suivant vos pages et à travers votre site. Si vous choisissez 1400, faites en sorte d'avoir 1400 partout. 1180 de même. 960 peut être utile pour des petites sections de texte, plus à ce niveau-là, qui dans tous les cas n'aurait pas rempli la totalité, comme vous pouvez avoir par exemple ici. Sur cette section-là, ça peut être utile de mettre du 960. Ça ne tâche pas par rapport au reste. La largeur maximum mise sur aucune est fortement recommandée, et principalement d'ailleurs, que sur des sections bannières. Que j'appelle des sections bannières, c'est comme une section diapositive ici. Le but étant que, malgré l'augmentation de la taille de l'écran, celle-ci arrive directement sur les bords. Ce n'est absolument pas conseillé pour tout autre type de section, tout simplement parce que ça va agrandir vos images à un point tel que ça va prendre beaucoup trop de place sur votre écran. La largeur de la section permet également d'avoir quelque chose de plus petit si jamais la petite section ne suffit pas. Vous pouvez ensuite choisir la couleur de l'arrière-plan, comme par exemple ici, et le fait d'afficher une ombre au-dessus de la section ou pas. Et ensuite, vous retrouvez également sur chacune de ces sections les paramètres d'espacement à la fois bureau et mobile. Vous avez les paramètres haut et bas qui sont dissociés sur bureau et sur mobile. Par exemple, si je mets 50, bon, c'est assez flagrant. Et si jamais sur mobile, je veux mettre autre chose, par exemple 25, c'est possible. Et enfin, vous avez les paramètres gauche et droite. Donc cette fois-ci de manière homogène, là sur bureau j'ai mis 30, ici, voilà. Si jamais je mets aucune, vous verrez au niveau de la largeur, beaucoup mieux. Donc là ici de part et d'autre j'ai 30. Hop, voilà, je peux mettre 50, ça va réduire, etc. Et sur mobile du coup 15. C'est plus important sur mobile de manière générale. Un autre paramètre global disponible sur certaines sections seulement, et celui-ci. Voilà. Vous avez la possibilité d'afficher la section en superposition à la section en tête. Ceci s'applique qu'à la première section affichée sur la page. Donc si jamais je mets ma section diaporama ici, eh bien tout simplement, ça va appliquer cette fonctionnalité à la première section apparente, c'est-à-dire ici liste de collection 3. De préférence, bien sûr, c'est plus utile quand vous avez une section diaporama ou diapositive ou quelque chose de type bannière. C'est tout pour les paramètres globaux, j'espère que vous aurez appris à vous en servir correctement à travers ce tutoriel, et si jamais vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les poster en commentaire.